Mais qui est-elle? Pourquoi des points d'interrogation, dites-moi? Suspense. Je vais sortir mon stylet, attention. Oui, bien sûr, ils vont regretter d'être venus, mais bien sûr. Oh là, ce Willy, j'ai envie de taper. En général, il y a les intellos, c'est ceux qui parlent le moins, qui se mettent un peu de côté. Lui, c'est l'inverse. Je suis trop fort. La modestie, ça me connaît. Tout ça. Bon, ben voilà. Alors, ils sont assez classe, les joueurs, quand même, de la Royal Academy. Sam Ford, tiens. C'est pas un mec qui s'appelle comme ça dans mon équipe aussi. C'est parti! Lors de la raclée. La petite musique d'ambiance que je trouve sympathique, même si elle est inutile, j'avoue, hein, moi-même. Alors, là, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on va gagner ou pas? Bon, vous le savez, par rapport qu'il va y avoir se passer un truc, waouh. Wow. Mais est-ce qu'on va gagner vraiment? Attendez, on joue contre la meilleure équipe, on s'est jamais entraîné. On va voir ce qui va se passer. Hein. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Donc, au niveau des infos, on va laisser tomber. Par contre. On va regarder les infos des Royal Academy, vous pouvez voir que le Gold King il est super classe et c'est l'un des meilleurs du jeu. Mais en général ils ont une très bonne équipe, hein. Faut pas croire, ils sont très très bons. Martin il a par contre une gueule, enfin bon. Et en info vous pouvez voir qu'ils sont niveau 28, donc oui, comment vous pouvez gagner face à bon lui, mais comment vous pouvez gagner face à des monstres pareils? Regardez, niveau 30 il y a du 42 partout. C'est un monstre. Donc voilà. Même les remplaçants, ils sont à peu près bons, quoi. Voilà. Comment on va pouvoir gagner contre ça? Eh ben, on va voir. Hein. Voilà. On a Willy qui est content, qui est devant, mais il va pas rester longtemps devant, je vous assure. Donc là, je vais m'amuser à faire quelques passes, sauf si le jeu m'en empêche, parce qu'il va y avoir des scripts. Ah, j'ai pas bien fait mon équipe, mais c'est pas grave. Oh, il me l'a pris. Voilà, le souci, là, c'est que il me l'a pris... il me l'a pris parce que bah, j'avais pas vu qu'il était là. Voilà, et il me fait une petite technique pour voir une petite animation, un petit passage en force. Donc pour moi c'est un peu dégueulasse. D'ailleurs, l'arbitre peut compter faute sur certaines attaques. Non, il va tout faire qu'il passage en force. De toute façon, l'équipe va faire que ça. Et là, il y a faute. Alors, expliquer un truc, la faute, j'ai jamais su quand il y avait faute. J'ai jamais su, c'est impossible à savoir. Donc ce qu'on va faire, mais vous pouvez voir, ils sont un peu tous désorganisés. On n'est pas beaucoup pour pouvoir faire le jeu. Oh là là, là trop tard. Donc là, plus que j'ai tracé un gros trait. Lui va me faire un détriplement, tout simplement. C'est impossible. Essayez pas de gagner. Vous pouvez, à la limite, même marquer un but, c'est pas possible. Le gars, il est trop fort. Vous êtes niveau 2, niveau 1. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de donner un coup de poing au ballon, par exemple. Soyez fous. Donc il va tirer, il va faire un tir simple. Ok, notre goal. Va se prendre un but d'une manière pitoyable, c'est trop facile. Vous avez la musique épique, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, donc on va passer, on fait retour au match. Ça n'a rien d'étonnant. Le match n'est pas terminé. Ouf. Que dis-tu, toi, mon grand? Je suis un peu défaitiste parce que je sais ce qui va se passer. Enfin, je sais comment, pas ce qui va se passer, mais ce qui peut se passer. Oups, il est nul, lui. Là, hop, oh non, encore il m'a contré. Je peux pas faire de passe quand ils sont trop près, sinon. Donc, vous voyez, je suis en gris à gauche, donc lui il va éviter mon tacle. Hop, esquive en plus. Il va en m'en éliminer deux. Je vais essayer de l'arrêter, peut-être, on verra bien. Mais voilà, il me fait un tir fatal. Donc voilà, vous pouvez voir ce genre de tir là. Tir où il fait plein de petits tirs dans le tir. Donc, on a l'impression que je suis dessus. Je suis dessus. Mais là, j'y suis plus. Voilà, c'est. Quand vous voyez cette animation, vous vous dites, bon ben, but, hein. Comme prévu. Je me demande si quelqu'un a déjà réussi à marquer un but en étant niveau 1, 2 ou 3. Ça dépend si c'est entraîné évidemment. Mais bon, je me demande si quelqu'un a déjà réussi. Vous pouvez quand même voir. C'est laborieux, j'ai pas le temps. Je peux même pas dépasser le milieu de terrain. Voilà, on va avoir une petite scène parce que c'est plus possible d'un coup. C'est plus possible, on va pas y arriver autrement. C'est ce que j'avais dit, comment une équipe qui connaît à peine peut réussir à battre une équipe qui est considérée comme la plus forte? C'est pas possible. C'est pas possible, mais voilà.
18-0, putain. Score qu'on ne peut pas atteindre dans le jeu. Amusons-nous encore un peu. Grâce au triangle. Au secours. Le triangle de la mort. Ah, quand je vous ai dit que c'était encore pire qu'Olivier Tom. Je pensais que vous me croyez pas. Je pense qu'il y en a qui me croyaient pas, qui me croient pas là. Non, c'est pas vrai, c'est jamais été pire. Oh putain. C'est quoi cette attaque? Il s'est pris dans la tête quand même, hein. Je pense qu'ils ont leur compte. Ce match est sans intérêt, ce n'est même plus drôle. C'est déjà fini. On est encore debout. Vous avez vu ça à la classe quand même. J'ai des frissons. 20-0 sans que l'on puisse rien faire, oui. On peut plus être optimiste après 20-0, faut l'avouer quand même. Willy a disparu. Quand je vous ai dit qu'il ne servait à rien. Oh là là. J'adore les musiques de ce jeu. Dans les moments épiques, elles sont vraiment excellentes. Dans le moment où on joue, peut-être moins, mais dans le moment épique, elle est épique, les musiques sont épiques. Qu'est-ce qui se passe au côté de la porte principale? Mais qui voilà? C'est lui, Axel Blaze? Oui, c'est bien lui. Voilà qui va changer la donne. Super! On est dans le club de footy. Par pitié! Marre de renifler. Mais Axel. Oh la tête. Tu en as mis du temps. Eh bien, voilà qui est intéressant. Finalement, Axel fit son entrée. Avec lui, un miracle se profilait. Youpi! Donc ajoutez-le membre à votre liste de joueurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Pas... Ouais, c'est bon. Ah, je vais pas montrer les stats.
Donc niveau 5, déjà il est meilleur que les autres. 22 en frappe, déjà ça fait plus de mal. Et le reste, il est vraiment. C'est un personnage, un des meilleurs personnages du jeu en attaquant de feu en tout cas. C'est un des meilleurs. Voire le meilleur. Donc c'est bon, on l'a mis devant là, oui c'est bien. Alors on va peut-être prendre une formation où il est encore plus devant. Hein, mais... ouais, on va prendre la formation basique, comme ça il y aura deux attaquants, un à côté de l'autre. Je pense que ça va pas servir à grand chose pour ce chapitre là, mais bon. Retour, c'est parti, on a fait ça. Je sens mon stylet, je fais schlack. Comme si je sortais. Le vrai match commence, 20-0, bah il est déjà bien commencé quand même, hein. Alors franchement je sais plus comment ça se passe, si c'est scripté ou pas la passe. Donc au début, allez on va observer, les persos vont se bouger tout seul comme on grand. Normalement on peut pas récupérer la balle normalement. À part lui peut-être qu'en script il va réussir, ouais il y arrive en script. Allez, cours! Ah, mais c'est vrai, il est pas assez fort. Peut-être qu'encore un petit script. Il vient de me faire avoir la balle. Ah, ballon illusoire, dommage. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ouh, 3 contre 2, ils vont gagner là. Ouais, en plus, si c'est lui, c'est un des meilleurs de l'équipe adverse. Alors, oui, pourtant, j'aimerais bien qu'il y ait un script quelque part parce que. J'ai game over parce que j'ai un script à rater, je me sentirais un peu con. Contre lui ça sert à rien vraiment ce que je fais, c'est bon. Alors là lui il est plus faible, donc ballon illusoire pareil. Mais on peut pas l'arrêter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, la technique pour arrêter tous les tirs. Voici la main céleste. Donc voilà. On va pas commencer notre première attaque spéciale. Donc, hop, la main céleste qui est là. On clique dessus et puis on regarde ce qui se passe. C'est parti. Et voilà, on arrête. Bon, c'est scripté, normalement j'aurais dû me prendre le but là. C'était bien scripté. Et là. Ah merde! Oui, j'ai eu peur, je crois qu'au début il voulait me faire tirer. Faire tirer parce que j'étais pas assez près, mais c'est bon. Donc pour choisir un tir c'est pareil, hop, on le bouton du milieu et là on a deux feux, première technique d'attaque. Je t'attends. Oh. Faut avouer, c'est mieux que rien. Comme prévu. Axel, il est très doué. Oh,
Ah, la voix robotique, ça donne les bugs. Ah, la tête aussi. Génial! Et oui, on les reverra. Peut-être. On a gagné. Et voilà, il déclare forfait, donc... une victoire. Qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le club n'est pas dissous. Il a déjà vu quelque part. Donc voilà, alors je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est là la fin du chapitre 1 et maintenant. Donc j'espère que la vidéo, que cette partie-là vous a plu en tout cas. Donc je vais couper la vidéo en plusieurs parties, mais bon, vous le verrez bien, vous sur Dailymotion, je vais pas mettre quand même une heure de vidéo d'un coup. Je vais essayer de couper au moins dans 2 fois 30 minutes, au moins. Donc voilà, j'espère que ce que vous coupez, n'hésitez pas donc à me dire si vous voulez que je continue ou pas. Et je vous fais de gros bisous, et puis venez sur amatest.com, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut!